Le parler avec population pour une deuxième fois. Dernier, ça a gagné environ 6 mois. Et je dis, il va présenter bilan ensemble de opérations et de travail qui est fait pour l'année 2022 au niveau de la police nationale. Également, perspective que l'on gagne pour l'année 2023. Nous sommes capables de constater que le commandant l'a accompagné de plusieurs membres dans le commandement, également quelques unités spécialisées. Commandant-chef là, il est accompagné de l'inspecteur général en chef là, qui c'est M. Fritz Saint-Fort, directeur cabinet là, qui c'est inspecteur général de la police judiciaire, inspecteur général Frédéric Lecomte, DCPA, inspecteur général. DCASG, c'est M. Wensi Beribé, inspecteur général Marie-Elva Sinora Nassar-Pierre, inspecteur général Francine Moreau, inspecteur général Jean-Yonel Tressil, inspecteur général Max Hiller, et avec les commissaires visionnaires Jean-Borest-Étienne, directeur personnel PNH-LA, commissaire divisionnaire Marie-Jeannette Bateau Salomon, commissaire visionnaire Christelle Pierre, commissaire visionnaire Ghislaine Désir, et pour faciliter Mikoa et journalistes pour capable poser question, c'est le commissaire de police, Marie-Michel, qui lui-même qui va gagner fonction ça, je veux dire. Sans plus tarder, ma pensée est comme le chef là, Mikoa. Je suis le chef. Et en pile fois, qu'on y ait un pillage après manifestation, ça. Blocage route, événement pays loc, crise carburant, blocage terminal Vareux, qui c'est le principal site de stockage et de distribution carburant en un pays, ou du pétrolier en un pays. Grâce à engagement et détermination policier, esprit de sacrifice, malgré maigre moyen que nous avons à la disposition, nous réalisons ensemble d'opérations. Il y a 1140 opérations qui sont réalisées, 63 perquisitions qui sont faites à travers tout le pays. Au cours d'opérations, il y a 12 964 arrestations qui sont faites. Et qui répartit comme ça. 301 pour assassinat, 348 pour drogue, gagné 124 pour trafic et traite de personnes, 61 pour crimes financiers, 312 pour viol, 334 membres actifs différents gangs qui gagnent dans le pays. Au cours d'opération, ça arrive. Nous faisons de saisie tout. Nous saisissons 367 armes à feu. Et parmi eux, nous avons 39 fusils d'assaut. Nous saisissons 146 234 cartouches. Les armes que nous avons gardées là, et au moment de nous filmer, c'est en partie les armes que nous saisissons. Parce que nous avons des armes
qui obligé rester dans juridiction yo parce que yo la main autorité judiciaire yo pour la suite judiciaire. Comme exemple, nous avons 20 qui étaient dans le nord, 16 étaient dans le sud-est, en main la justice et autres. Au cours de l'opération Sarayotou, nous saisis 2738.38 kilos de drogue. Et parmi eux, il y a 54.87 kilos de cocaïne. Nous détruisons 5 plantations de drogue. L'engouement contre kidnapping, le phénomène de kidnapping, non. Nous libérons 41 otages et nous déjouer 93 cas de kidnapping à travers de la zone métropolitaine, spécialement Port-au-Prince, Delma, Pétionville, Torcel, Croix-des-Bouquets, Tabar et la région et le département de la Tibonite. Nous gagnons 149 bandits malheureusement qui blessés mortellement dans l'échange avec la police. Il y a 58 véhicules et 2533 motocyclettes que nous récupérons, ou du moins confisqués. Nous saisis 3 bateaux avec un yacht. Nous pas seulement arrêté l'enfer opération dans la rue seulement, mais en dans l'institution de la police là, nous prenons des mesures pour nous assainir l'administration de la police. Mesures ça yo, nous prenons, nous révoquons 1432 fonctionnaires. Et parmi là dedans, il y a 1254 policiers, 174 employés administratifs pour diverses causes. N'a noté que travail enquête yo, donc son synergie qui développée en commandement entre inspection générale de la police là et direction centrale de la police judiciaire. L'autre mesure dans le cadre assainissement institution, nous retournons en finance 10 825 chèques qui totalisaient 219 millions 795 500 gouttes. Nous retournons en finance. Nous annulons 1204 débits BNC. Nous annulons. En non-institution, octroi contrat yo, yo fait selon les normes. Jean, finance publique là, mandil. Nous soumettons 24 contrats. Et contrat ça arrive signé après approbation Commission nationale de marché public. Donc contrat barre dans la police là, selon la loi. Il y a des actions que nous faisons qui visaient améliorer conditions de travail policiers et bien-être policier. Parce que faut que nous encourager policiers et faut que nous mettions policiers en valeur par rapport à la responsabilité que vous avez dans le pays, surtout dans le dernier moment. Nous prenons un exemple. Décret indemnisation des policiers victimes et les ayants droit des policiers décédés dans le cadre de leur service. Ça, c'est un outil légal qui engage l'État pour que les policiers, dans le cadre de travail, les blessés, les victimes, ou du moins, marchent pour les mourir, pour que par un policier, ou du moins policier victime là, pas à la merci, mon bon papa en dans l'administration publique là, mais un engagement l'État envers policiers. Nous sommes capables de dire
que décret ça a commencé à appliquer. Parce que jodi a nous capable dire gen parents policiers qui décédé qui recevoir chèque ça dans cadre décret ça que nous parler. Et nous profiter de l'espace ça pour nous remercier pour le ministre Dr Ariel Henry et reste gouvernement qui ban nous outils ça, aux outils concrets pour policiers. Grâce à mesure d'assainissement que nous prenons dans l'institution, sans que nous pas joindre augmentation budgétaire, nous arrivons augmenter prime de risque policier pendant l'année en deux reprises. Deuxième augmentation qui commence à partir d'octobre 2021. Unité spécialisée, BIO, donc à partir d'octobre, je suppose que une prime de risque augmentée en deuxième fois pendant l'année. Sans augmentation budgétaire. Pendant l'année, nous arrivons à réhabiliter 25 lieux de police. La façon pour que nous améliorions l'environnement de travail policier. Nous arrivons à concrétiser, appliquer le programme Onapolis pour éviter que les policiers nous aillent pour prendre dans la rue. Mais avec le programme, ça, nous en mesure pour que nous jouions des prêts à un taux préférentiel. Pendant l'année, pour sacrifice policier, on fait dans la rue. Chaque jour, après ce qu'il vit dans la rue. Surtout dans le dernier moment, ça arrive. Donc, gagner un prime que spécial que des policiers. C'est un prime d'efficacité que nous avons octroyé à plus de 3000 fonctionnaires police. Policiers, tant que personnel administratif. Tout le monde n'a pas de joindre dans la police, mais il y a 3000 personnes qui joignent. Et nous profiter de l'espace pour nous remercier le ministre financier pour la bonne collaboration qu'elle gagne. Par rapport au travail policier, par rapport à la confiance la population à renforcer dans la police, gagner plusieurs entreprises sous marché qui octroyent de rabais à des policiers et employés administratifs. Nous profitons de l'espace pour nous remercier. C'est un geste symbolique et c'est un geste que les policiers ont apprécié. Ils voient que ils ont apprécié le travail. Et ça a encouragé. En dans la police là, nous prenons question de valeur en dedans, valeur et mérite en dans l'institution de la police. Ça fait que nous arrivons à féliciter 546 policiers et personnels administratifs en dans la police là. Nous avons tout 47 policiers qui sont honorés par d'autres institutions. Ça a montré appréciation population à renforcer pour l'institution de la police. Et nous promettons à la population que la police a grandi chaque jour. Institution qui honorait la police, là, nous sommes capables de citer deux, trois. C'est ULCC, Chambre de commerce Nord-Ouest, Commission nationale marché public. C'est NMP avec l'autre institution encore. Nous arrivons à 2258 policiers et personnel administratif promotion. Et nous faisons selon critères qui préétablissent nos institutions. Ancienneté et compétence. Pas sur le monde. Et grâce à mesure d'assainissement, nous faisons tout.
sans que nous pas augmenter, sans que nous pas jouer une augmentation budgétaire, nous arrivons à employer plusieurs petits personnels qui, à travers commissariat, direction départementale, commissariat de province, commissariat de zone métropolitaine, qui ont plusieurs années qui a bail service en l'institution qui n'a jamais touché. Donc, grâce à mesure d'assainissement, nous arrivons à nommer tout en tenant compte du principe de finances publiques là, ligne budgétaire nous répond pour que nous fassions nomination ça. Au cours de l'année, nous arrivons à renforcer le commandement de la police. Là. Il y a des commissaires, 94 commissaires qui sont à peine gradués. Je pense que ça a été bon pour l'institution de la police. Là. Côté que deux mouns qui allaient dans le concours, sans moun pas, et qui arrivaient à intégrer l'académie de police là, après une formation de jam, yo promu commissaire, et qu'on y a, yon renforcé le commandement, ni dans le commissariat, yo, et direction de la mentale et unité spécialisée. M'a dit nous, une autre fois, un message à la population, que la police là, policier, chaque jour, il y a la rue. Et la minute que je parle là, beaucoup là, les policiers sont très déterminés. Pas oublier que la force police que nous avons aujourd'hui, elle n'est pas créée pour faire face à ce genre de problème que nous vivons aujourd'hui. La création police en 1995, pas créée comme force de l'ordre, pas créée pour faire face à grand banditisme. Guérilla urbaine que nous avons vu aujourd'hui. Donc, nous avons la police qui a transformé. C'est ça qui fait. Unité spécialisée nous renforcer. Formation continue pour nous-mêmes. Pratique pour nous-mêmes souterrain. Acquisition de nouveaux équipements adaptés à la réalité pays pour permettre de faire face à grands défis que nous avons souterrain. Donc, nous demandons à la population de comprendre la police, de croire en la police, de collaborer avec la police. Je vous remercie en pile pour tant que nous faisons, nous portons attention à la déclaration, à la présentation de bilan. Et comme culture, là, nous sommes ouverts à des questions, mais dans le respect de l'autre. Merci.